Il n'y a donc bien que les Anglais pour nous proposer un tel bolide. Bonjour et bienvenue dans Track D, l'un des tout derniers épisodes avec, vous le voyez, une Jaguar en piste et une grosse mémère. La Jaguar Broad Speed, hein, donc, qui est issue d'un championnat de touring car des années 70, hein, le groupe 2 de l'époque évidemment. Une voiture d'une tonne 450 kg pour 600 chevaux et une vitesse de pointe absolument hallucinante. Et en plus, vous allez faire des économies puisqu'avec sa boîte 4 vitesses, vous allez consommer énormément de carburant. Une voiture avec une finition enfin correcte, elle était disponible depuis longtemps dans Assetto Corsa en tant que mode, mais j'ai bien attendu pour vous la proposer parce qu'elle n'était pas tout à fait terminée. Dès que c'est chose faite, on la prend et on part en piste avec, c'est ce que j'ai fait. Et cette voiture est proposée avec pas mal de livrées plutôt sympathiques, assez atypiques, et surtout un comportement très lourd, très pâteau, avec énormément de tangage dans les virages, et eh bien, quand vous passez la puissance au sol, il y a beaucoup de couple dans ce moteur. Et donc un couple à 550 Nm, c'est vraiment quelque chose de sympa comme voiture, mais c'est à savoir piloter, parce que vous allez voir que dans certains enchaînements ou à basse vitesse, eh bien, le transfert du poids ne se fait pas bien et vous glissez et l'arrière veut passer devant. À vous de faire preuve de talent pour la ramener. La voiture est disponible dans la description en téléchargement et gratuit. Bien entendu, le circuit est de base, lui, dans Assetto Corsa. Je vous laisse profiter du son de ce bolide 100% british. On se retrouve tout de suite, juste après, avec une deuxième vidéo qui sera le tout dernier épisode de la série Track D. Mais je vous en dirai plus dans cette vidéo-là. Salut!